Ah oui, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers toi. W, Tolo Bellavie de Papi Guéné. Eh ben, vous qui nous suivez à travers WCNT Live, / sans rival. À ma gauche n'est plus une personne à vous présenter. Il s'agit de JC Moulamba que je vais pouvoir recevoir pour vous. Vraiment. À la une, on parlera des obsèques du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je salue mon invité. Bonjour, JC. Bonjour, sans rival. Très content de te recevoir. Très content, vraiment, de te revoir. Tu as été dans une tournée, tu as fait Lubumbashi. Après quoi? Après Mbujimayi, Bakongo, on continue toujours la tournée. D'accord. Eh bien voilà, JC Moulamba, le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba n'est plus. Et je crois la semaine prochaine, son corps, vraiment, va rapatrier son corps ici à Kinshasa. À quoi le retour du corps d'Étienne Tshisekedi se différencie du retour des corps de tous les Congolais? Parce que j'ai comme l'impression c'est à la une. Sans rival, je vais te dire quelque chose qui va peut-être surprendre ceux qui nous suivent. Il n'y a pas plus grand que Tshisekedi dans ces pays. Parce qu'il faut une nation pour continuer. Mouzitou, ça nous pose. Mouzitou dit que Kizenga est mort, il est plus que Tshisekedi. Mouzitou, à part tous les châteaux qu'il a construits en sable. Les châteaux en sable? Oui, en sable. À part ça, est-ce qu'il a autre chose à nous dire? Il n'en a pas. Mais c'est comme ça à Tshisekedi, il était premier ministre comme lui, Mouzitou. Nous sommes en train d'installer un état de droit. Et lorsque les événements, la tricherie, les fraudes, et tout ce qu'il a fait, pourront le rattraper. Ça ne sera pas de notre faute, ça ne sera que l'État qui fait son travail. Donc Mouzitou, on n'en parle pas. Je ne cite pas les noms des imposteurs comme lui. Et déjà qu'il aille chercher la vérité des urnes, si il pourra la rattraper. Écoutez, peuple congolais, il y a plus grand au Congo que Mandela. C'est une deuxième fois que je le dis. Et que ça peut surprendre le monde. Et je sais pourquoi je le dis. Hommage à un homme comme tel, dans notre siècle, c'est très rare. Mandela s'était battu, il a été emprisonné, 27 ans. Mandela s'était aussi exilé dans le parcours de son combat politique. Et nous avons connu un gars qui ne s'est jamais exilé de son pays. C'est là où il prend un peu de poing et un peu de poids. Et là, il combat deux dictatures. L'élever au rang. Il combat deux dictatures successivement. Et docteur Étienne Tshisekedi est devant Mobutu d'abord. Il démantèle la machine. Il sort un jour, il dit, je veux le démystifier aujourd'hui. Parce que Mobutu à l'époque, qui pouvait ouvrir la bouche? Qui es-tu? Né de qui? Pour... Les Belges l'ont appelé roi du Zaïre. Et non, mais Sakombi Nongo est dans ce pays, Mobutu a été adoré. Il sortait du nuage. Mais démystifier et rendre cette personne sur la terre n'était pas facile. Mais ma préoccupation, moi, pas la mienne, hein, mais la préoccupation de ceux qui nous suivent, élever Tshisekedi au rang des héros nationaux. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit un héros national? Je suis en train de vous dire que c'est un homme qui va traverser des décennies dans une opposition. C'est le but, l'établissement d'un état des droits. Ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Vous l'avez suivi dans son discours. Il dit, nous plaçons l'homme au centre de tout ce que nous faisons. Le peuple d'abord. Puisqu'il y a un peuple, il faut un territoire. Le territoire, nous l'avons déjà, est si riche. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Une seule idée, pour rejoindre Montesquieu, pour rejoindre Victor Hugo, et rejoindre tous ceux qui ont parlé de l'État. Et donc cet homme est plus grand que Mandela. Quand nous parlons des icônes dans le monde, je cite Mandela en passant. Au Congo, nous avons des personnes très importantes. Vous connaissez Patrice Emery Lumumba. C'est un grand. L'effigie de cet homme a été dans une monnaie d'un pays africain qui s'appelle la Guinée. Eve Bazaïba, nous répondons aux préoccupations de ceux qui nous suivent. Ici, dans notre pays, personne n'en parle.
Voulez-vous encore que ça passe comme cela? Non. Nous sommes mobilisés plus que jamais, sans rival. Plus que jamais sans rival, je te l'ai dit. A connu une mort normale, naturelle. Il n'est pas mort en guerre, comme Mamadou, comme Zé Laurent Désiré Kabila. Bazaïba a déjà fait pour Mamadou. Une petite marche. Voilà la conception de l'homme ou femme politique congolais. Au Congo, on ne sait pas accepter les mérites des autres. Lorsqu'on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas aussi t'accepter non plus. Si cette femme pouvait avoir un peu de recul et une petite honte dans tout ce qu'elle vient de faire comme scénario avec l'autre que je ne veux pas citer de nom, jusqu'à ce qu'il retrouvera ce qu'il cherche, ce qui est inconnu. On ne connaît pas la vérité des yeux, ça vient d'où? Parce que le vocabulaire, c'est nous qui l'avons sorti le premier. Et nous savions qu'est-ce que ça signifiait. Et aujourd'hui, lui ne sait pas ce que ça signifie parce qu'il réclame quelque chose où il est déjà victime d'avance, perdant d'avance. Parce que le gars ne reconnaît pas la justice de son pays. C'est qu'il ne reconnaît pas l'état de son pays. Et lorsqu'il n'y a pas, d'état, et donc on peut se réclamer avoir gagné aux élections. Quelles élections? Pour devenir chef de quel état? Pendant que l'état même, vous ne reconnaissez pas la décision de la Cour constitutionnelle. Eh bien voilà, permettez-moi la redondance. C'est un PO. Je voudrais m'adresser à nos amis combattants là-bas en Europe. C'est des On va y revenir. Oui, c'est mes amis. Oui. Mes amis, ils me voient ici sur terrain, qu'ils viennent ici avec le corps. Je les interpelle à tous payer les billets, réserver leurs billets. Ils seront les bienvenus ici. Nous préparons les décors pour eux, moi et toi. Eh bien voilà, je crois que tous les Congos, tous les Congolais sont dans la fièvre du retour, en fait, de l'arrivée du corps de fée Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est partout qu'on en parle, les préparatifs sont vraiment zimites. Vraiment, laissez-moi vous dire que les gens vont venir de partout dans le monde pour assister aux funérailles du fée Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, qui... Leur présence vont indisposer les autres aux funérailles. C'est important, très important. On n'aimera pas vivre les scénarios des jets de pierre, tout ça. En fait, c'est mieux d'alerter certaines personnes qui ne viennent pas pour éviter les scandales. Sans rival, je voulais que tu dises ce que tu viens de dire en dehors du pays. Tu es ici au Congo. Oui. Tu peux voir quelqu'un qui n'est pas content de ces gouvernements et du retour du feu du sein. Donc, quel événement ne nous dépasse pas. Parce qu'il y aura plusieurs représentants, plusieurs pays sont invités, ils vont être ici pour commémorer ces funérailles d'un grand homme. Un grand homme, j'ai rencontré une femme française qui m'a posé une question. Cet homme... Elle voulait savoir qui était-il par rapport à moi. J'ai dit, c'était le président de mon parti politique à l'époque. Et puis, elle m'a dit, j'ai étudié cet homme à l'école. Alors qu'ici au Congo, personne ne veut en parler. C'était tout simplement une jalousie pure et simple. Mais nous sommes à la fin de chaque mythe. Tu sais qu'elle dit, n'était pas un mythe, c'était une réalité. Il a vécu une vie noble, intègre. Il s'est opposé, il a résisté jusqu'à la fin de sa vie. Les mots que Mme Eve Bazaïba a sortis, il a succombé au cours d'une maladie, mais tout en nous sortant un accord. Et c'est cet accord qui a organisé ces élections où son parti politique sort vainqueur. Vive Idepes, viva! On dit de Lumumba, le père de la démocratie. Je suis journaliste. Pour le moment, j'ai un statut de journaliste pour le moment. Voilà, voilà, je vois comment les disciples de l'UDPS. Cette victoire est couronnée par un combat de 37 ans. Et dans le monde entier, si vous parcourez. Et en calculant les nombres des années de lutte, vous comprendrez que... Monsieur Juste, veuillez économiser un peu vos... veuillez économiser un peu vos, le temps de votre... C'est important parce que nous faisons la course au temps. Vous savez, le corps du président du fait Étienne Tshisekedi arrive. Accepteriez-vous, vous, les Tshisekedistes, de voir Michiki à côté du corps
du fait, Étienne Tshisekedi, accepterez-vous de voir Roger Lumbala qui, l'autre fois, je l'ai vu passer à la RTNC, je suis en face de la RTNC, dire que non, mais il a déjà été enterré. Ce monsieur a déjà été enterré, craché sous la mémoire du fait Étienne Tshisekedi. Omo Lumba, accepterez-vous de le voir venir plaider Tshisekedi? L'UDPS, c'est un parti politique de l'élégance. C'est une fierté mondiale et internationale. Je voudrais voir tous ceux qui ont craché sur la mémoire de ce grand homme, tous ceux qui l'ont critiqué, je voudrais les voir là-bas. Et cela fera encore la grandeur de cet enterrement. C'est ça la symbiose même. Et c'est ça même l'alchimie de ce que nous pensons. C'est vous qui l'avez dit, mais pas la base. Hein. Je suis pas la base. Je suis de la base. L'émission précédente que nous avons fait avec vous, nous l'avons fait où? Eh bien, quelque part, les gens de Mbanda, les gens de la Parico, à travers les réseaux sociaux, ils ont dit, tous les gens qui ont contribué à la mort de Lumumba sont frappés par la malédiction venue de lui-même Lumumba qui a dit, Makila naye, Moutounio soit contribué à Makila naye. Alors, tout le monde a acclamé parce que Tshisekedi, les corps ne venaient toujours pas. Mais au jour d'aujourd'hui, ça revient. Cela le justifie de ce que vous dites. C'est qu'il n'était pas trempé dans la mort de Lumumba. Est-ce que serez-vous, peuple congolais, d'accord avec moi aujourd'hui? Quand Lumumba meurt, nous avons un président qui s'appelait Kasavubu. Pourquoi ne serait-ce pas lui qui serait à la base de sa mort? Pourquoi un simple conseiller pouvait devenir à la base d'une mort d'un grand leader, un grand héros? À la hauteur de Lumumba. Batuba Bundina Etienne Tshisekedi Mbula Nambula Lokola ba Valentin Mubake. Lokola ba Valentin Mubake. Lokola ba Bruno Tshibala oza héritier à UDPS. A Botola Kibino Koutou UDPS na temple ya UDPS ya limité. A Botola Kibino yango na mawa ya Nzambe nebo meka ko récupérer yango. Batuba Bundina Etienne Tshisekedi ebele ya ebele. Bake Mupanzi héritier. Aliane Bambala na poto yeka mamoko bou président de la République. Kasi mou pesa mou bake kandat. Félix Mbamoko Bimaka bou président de la République. Ou mou l'iteke pesa yango pesa mou bake kandat. Pour grand que soit les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent aussi se tromper comme les autres hommes. Moubake, c'est un homme. Et cet homme, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est une personnalité politique, c'est comme il s'appelle. Et lorsqu'il s'était soustrait lui-même de l'UDPS, alors que nous, on lui donnait beaucoup de valeur, pour dire, je suis allé voir M. Kabila en tant qu'une personnalité politique. J'aimerais le voir aux obsèques du Sfin. Il a été conseiller politique de cet homme. Je voudrais qu'il vienne l'honorer et qu'il continue à être personnalité politique. Et nous avons beaucoup d'estime pour lui. Je le salue en passant. Pourriez-vous juste, dans moins de deux minutes, nous parler un peu de la lutte qu'a menée Félix Tshisekedi? Parce que dans ma question, il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué. Je disais que, à manière de relier à Malaga na Proto, Mbamoko va parachuter, ou à commettre premier ministre qui était, Bourkoumestre qui était, ministre qui était Mbamoko président de la République. À mon élément opacité. Je vous ai répondu avec un adage, pour grand que soient les rois, ils sont ceux que nous sommes, ils peuvent aussi se tromper comme les autres hommes. Bon, mais c'est passé un peu vite. Je peux y revenir un tout petit peu, comme vous m'en donnez le temps. Félix Tshisekedi n'est pas n'importe qui. C'est l'unique parmi nous de cette génération qui a traversé toute sa vie et qui a payé de sa vie pour l'UDPS. Toutes les relégations et tout ce qui a été fait sur son père, il subissait. Vous ne l'avez pas vu devant la police belge se battre? Martin Fayoul a bien monté. Ramon Akango, merci à l'assemblant. Cet homme que j'appelle fin diplomate a su jouer la haute politique pour donner aux Congolais un pouvoir du changement sans le sang qui coule. J'avais rêvé tous les scénarios du monde, pas celles que j'ai vécues. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azamo Bali a tembé parmi les hommes congolais, c'est le seul qui a regardé la réalité en face pour prendre les flambeaux de la victoire, courir
et mettre un but dans les cas adverses. Et bien voilà. Qu'a acclamé et tous s'allier derrière lui pour que cette victoire produise des fruits qu'on appelle le peuple d'abord et la réalisation d'un état de droit. Qu'est-ce qui se passe entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba? Il y a des conflits personnels ou comment? Parce que je ne vois pas la sympathie. Jean-Pierre Bemba, c'est qui? Mais vous les connaissez, c'est moi qui pose des questions, vous devez me répondre. Ah, vous parlez du vieux qui... Oh, ok, je me rappelle. Vous parlez de... Ou toi, GB. Oui. Bon, vieux l'habit sur Achanassé. Achanassé, à Outaï prison. Ngara Ibi, que quand quelqu'un fait la prison, na poto, yopé au Vandi Libanda, sur Abini. Moi, bah, vertige, ouais, non. T'es vertige, ailleurs on a vertige, mais par contre, ça a une rééducation mentale, Morobu. Correction, Moutoazon Gamoutou. Ti, Ermoroboye, même 2 ans après, on réalise que cet homme n'est plus suicidaire. Parce que Bamsou Babima est belé. Oh, yo, abomi moi sinaye. Ou bien abomi boye. Ou bien mi bomi, a se suicidé. Et abatouba ou ta prison, il y a modèle. Wana. Donc, via dosé, à ça, on a une rééducation, on a un politique et eux, c'est là. A qui est tellement bien SNPP. A un problème, Nina Tshisekedi. Tshisekedi est chef de l'État. Eh bien voilà, il nous reste moins de 2 minutes. Vraiment, nous fait signe notre soeur derrière la caméra. Eh bien voilà, les noms m'échappent. Je suis un beau frère. Fati, roi Chebango, bah respecter moi, bah norme, wana. Natil Bin. Bah, mon suspect, bah, baby, ça va. Chiba ou pardon. Je salue ma soeur, qui est ma belle soeur aussi, qui est la femme de notre papa Bemba. Nanya la bosse, ça parce que nga la calcula rien à ma solo, wana. Donc, c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche avec JC Moulamba. Mais JC Moulamba, je crois, moi, mot de la fin, Bazoula Nayo, partout où se trouve maintenant, Martin Fayulu, pendant qu'il n'a pas été na Katanga pour na quoi accueillir son président qui Moïse Katumbi, et il y a vraiment un ça ne va pas de malaise na Katia, il y a la Mouka Moïse qui dit une chose et les Babisusu parce que Babisusu ezali insubordination. Donc Fayulu a bouilli vraiment qui nous yamba. Ça retourne ça mon conjinayo. Na minute coordonnateur à la Mouka Isa Moïse. Et puis, excusez, sur l'image, tout le monde, Moïse Bayambani, Félix, na Kadhafri du Sud. Les Congolais auraient fait un mauvais choix de choisir un homme incivique qui est récalcitrant contre l'état de son pays. Aboyinaye, décision à cour constitutionnelle, décision opposable à tous. C'est ce que la loi dit et cette constitution. Chugo Robi Nawana. Ailleurs, au bout, il y a même. Bon. Tout le baga qui. Azan a égaré un civique, quoi. Ah oui, vraiment. On dit de lui vraiment que c'est un incivique. On est sans rivalité. Et Zali, je sais, Moulambande Moutou, Aébina Kolobayango, à venir, il y a la mouka, ils ont n'engeni bande konanga. Ils ont ça là, pas si ma casse, vraiment, la zone, on a vraiment n'engé la mouka, ils ont pandana. Parce que, et l'autre, c'est là, la mouka, ils ont mbongo, il y a Moïse Katumbi. Mbongo, pour j'appuie même babo, selon Batou, à Kabakanaïti. Alors, mbongo, il y a Moïse Katumbi, n'est sali la mouka. Mais l'élo, Moïse a s'est retiré, n'a mbongo, n'a eu la mouka. Souka wapi muzito zo meka mais bande kona ngai logique ya muzito eza logique moko ya tribalisme evandie belé vraiment makasi dou. Nous avons vraiment intérêt à éradiquer aussi ce système là ya masolo ba tribalisme ya tribalisme na congolais mu luba mungala mu swahili mutabandundu tozali mutumoko
La mouka, beaucoup de gens n'ont pas compris. Quelque chose qui est basé sur le mensonge, ça ne peut pas avancer. Ils se sont trompés à Genève pour créer cette histoire. Inféoder une existence d'une irréalité et une logique qui était, une irrationalité qui était dans leur tête. Et ce qui concrétise que Bazaliko Souka n'en ayant. C'est pourquoi Baponaki une souris naine. On a vu Mende, malgré Azana Baprofé, Naya Badiama, Toko Takunate, Vie Moutalobaki. Mais, et ça n'a pas été naté, souris naine, à quoi qui, Koko Matan a suivi à Bulldozer, fin diplomate, Félix Antoine Tshisekedi. Même seul, ils pouvaient tous les battre. Et ils le savent mieux. À venir à la Moukozotuna, Ezate. La Mouke Ezate, Moïse Katumbi, Azongi Nakatanga, Asala Makamunaï, ce qui a rassemblement. Soki Ndengenini, Asalango, Azamo Mobali, et puis Soko Talipe bien, Aolanda Masolo, Ana Vérité des Irénités, donc Yana Masamunaye, une opposition républicaine, ce qui est légitime et normal, ce qui peut profiter à notre peuple. Mais Vérité des Irénités, Eli Olobanini, Namutu, Yamuto, Aolobango, à moins qu'il y ait une église, à moins qu'il y ait une Nini, même Dieu du ciel, Azoya Naya Alobi, j'ai choisi Jacob. J'ai Esaou. Il fait l'élection. Nabana Mutumi Bale Bazana Libumumoko. Il choisit un, il dit à l'autre non. Media Medina a ébisingaï sur les richesses au Martin Folazan Angozali Faden House. Mais est-ce que c'est sûr que Samuel Eto a écoboto la Faden House? C'est vrai. Ezali juste malheur, Moussou Neti, que Yeko s'abattre. Le malheur ne vient jamais seul. Ezali Neti malheur, mais je ne peux pas. Affirmer ça, c'est une information entre parenthèses. C'est peut-être avec le temps, comme on dit, la vérité est l'ennemi du temps.